Le 12 mai, Sovel March a participé à la réunion par Russe sur le développement du transport électrique et des infrastructures connexes à Moscou à la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie. Elle a rassemblé des représentants des autorités publiques, des entreprises, des développeurs de voitures électriques et de stations de recharge, des organisations scientifiques et éducatives, des organismes de certification. Le rapport de Sovel March a été fait par Alexandre Soudarev, qui a parlé des objectifs de Sovel March, de la construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie et des futurs services de l'entreprise. On a parlé des avantages d'un moteur à bobinage combiné et des exemples de son utilisation efficace, y compris dans les transports. Alexandre Soudarev a également déclaré que l'introduction massive de moteurs avec Slavenka serait utile pour l'économie russe et les entreprises. Séparément, la volonté de la société de remplacer les importations sur ces sites, ainsi que la création d'entreprises innovantes en Russie pour la production de moteurs économes en énergie, a été notée. Le BTEI Sovel March s'occupera de la production des moteurs et de la mise en place de leur production aux capacités de clients. Ces entreprises éviteront la nécessité d'acheter des composants et des équipements technologiques étrangers, puisque Sovel March développe ces composants. La participation de Sovel March à la réunion montre à quel point les activités de l'entreprise sont actuellement pertinentes. L'axe de la Russie sur la création de produits de substitution aux importations ouvre des opportunités pour le BTEI, ce qui aidera à l'entreprise à se renforcer sur les marchés internationaux et étrangers. Chers collègues, j'ai le plaisir d'annoncer le rapport « Solutions prometteuses pour les entraînements éco-énergétiques des véhicules basés sur des moteurs asynchrone avec bobinage combiné Slavenka ». Alexandre Soudarev. Chers collègues, bonjour. Merci pour l'occasion de faire un rapport. Il a été demandé de parler de la problématique avant de commencer la présentation. Par conséquent, je voudrais dire que les spécialistes de Sovel March comprennent la problématique liée à la nécessité de créer des entreprises innovantes, de créer des solutions éco-énergétiques qui seront disponibles pour la production sur le territoire de la Russie. Et ce qui est important, ces entreprises et solutions doivent être créées de manière à se protéger de la nécessité de produits sanctionnés. Cela vaut aussi bien pour les composants que pour les moyens de production. Eh bien, plus à ce sujet, dans la présentation. La société Sovel March est une société d'ingénierie. L'objectif de la société est de réaliser les bénéfices en commercialisant la technologie brevetée unique des bobinages combinés Slavenka, en développant et en mettant en production des moteurs aux performances améliorées. Les capacités de la société permettent de créer des produits uniques dans le secteur de l'énergie, répondant à toutes les exigences du marché et des entreprises. Pour résoudre l'objectif principal, la construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie est maintenant en cours. Il sera situé sur le territoire de la zone économique spéciale Zelenograd. C'est l'ancienne Technopolis Moscou. La superficie du bâtiment est de 17 000 m2 et ce bâtiment permettra le développement, la conception, la création de moteurs électriques asynchrones à usage industriel général, encastrés, à usage spécial, moteur de traction, système d'entraînement de traction qui comprendra à la fois le moteur et le système de contrôle, c'est-à-dire un contrôleur autodéveloppé. En outre, l'entreprise développera des équipements pour la production de moteurs. Elle créera des lignes de production automatisées de nouvelle génération qui permettront aux utilisateurs finaux de produire eux-mêmes des moteurs. Cette diapositive montre l'état des travaux de construction à ce jour. Les photos ont été prises récemment. Le bâtiment est en construction depuis un an. Depuis 2019, la société est un résident de la zone économique spéciale. À partir de 2020, la construction a été commencée, presque un an de travaux actifs, et nous avons pu aborder la phase de travail avec des communications d'ingénierie extérieure, des réseaux, etc.
Je note qu'à ce jour, l'entreprise a été déjà appréciée par la direction de la ZES sur la viabilité et l'efficacité, car tout l'équipement technologique nécessaire pour le travail a été déjà acheté et déjà importé sur le chantier. À ce jour, avant l'achèvement de la construction du BTOI et la mise en service, les activités en cours. Par ailleurs, je n'ai pas noté que la mise en service est prévue pour le deuxième trimestre de 2023. Et après cela, il sera nécessaire de le mettre en service. Jusqu'à l'achèvement de la construction et la mise en service, les activités sont menées sur les zones louées à Zelenograd. La capacité à ce jour est une miniature du futur BTOI et comprend le département de conception, le secteur de fonderie, le secteur de bobinage, le laboratoire d'essai de haute pression, le site d'usinage et d'autres. Y compris le site sur lequel se trouve la ligne de production automatisée qui permet la production de moteurs électriques asynchrones industriels généraux des dimensions de 186 à 132 dans la quantité de 12 à 17 000 unités par mois. Dans cette diapositive, vous voyez les installations de production situées dans les zones louées. Commercialisation. La commercialisation se fera dans le cadre de la production et de la mise en place de la production de moteurs. C'est un produit complet qui comprend diverses tâches et en particulier calcul et modélisation, élaboration de la documentation de conception technologique et opérationnelle, préparation de l'outillage pour une dimension spécifique du moteur, création de prototypes, tests, production automatisée dont petits lots d'installation, etc. La société prévoit tout d'abord de gagner non pas sur la production de dimensions et de types de moteurs spécifiques, mais de développer et de mettre en place la production pour les besoins du client. Autrement dit, n'importe qui peut contacter l'entreprise avec une tâche similaire, elle sera travaillée et résolue. Sur cette diapositive, toutes les informations que j'ai déjà mentionnées. Il convient d'ajouter que dans le cas de la commande de développement du moteur, selon les besoins du client, la construction de l'usine est effectuée. L'usine est construite selon la documentation du projet qui a déjà été développée. Il sera adapté au nombre requis de lots produits. Des équipements technologiques pour la production de moteurs seront développés et livrés. Dans ce cas, des lignes de production seront créées, du personnel formé. Pour ce faire, toutes les conditions nécessaires sont créées. Autrement dit, en fait, le client reçoit la mise en place de moteurs électriques clés en main. Parlons maintenant de la technologie. Le principe de la base du bobinage combiné est de connecter en parallèle une partie du moteur dans l'étoile et l'autre dans le triangle. Cela permet d'obtenir des caractéristiques beaucoup plus élevées que celles d'un moteur standard. Je note que la combinaison des bobinages n'est pas une innovation de Sovelmash. Auparavant, ce principe avait déjà été proposé et testé, mais seuls les spécialistes de Sovelmash pouvaient obtenir des résultats significatifs et formuler le principe général de la combinaison des bobinages avec des caractéristiques améliorées. Avantages. L'utilisation des bobinages combinés présente les avantages suivants. C'est la possibilité de créer des moteurs asynchrones de traction, économes en énergie, pour les entraînements de véhicules. La particularité des bobinages combinés permet de le faire beaucoup plus efficacement que dans la version classique. Fonctionnement du moteur asynchrone à des fréquences plus élevées de la tension d'alimentation en utilisant des aciers électriques pour fonctionner à une fréquence de 50 Hz. Un exemple de l'un des moteurs qui a récemment été développé.
C'est un moteur intégré de 2,6 kW. Il est nécessaire pour les outils électriques manuels, dans les appareils ménagers. En outre, il peut être employé comme moteur de sous-carter pour le véhicule électrique léger. Les plaques sur lesquelles le kit de stator, le rotor sont assemblés sont conçues pour fonctionner à 50 Hz. Les spécialistes ont effectué des tests dans le laboratoire de Sovelmash et ont enregistré le travail à 600 Hz. La technologie est protégée par des brevets de la Fédération de Russie. À ce jour, il existe environ 20 brevets. Les travaux se poursuivent. À ce jour, de nouveaux brevets ont été déposés. Également, en 2018, un manuel sur l'application de la technologie a été publié. Il présente environ 150 schémas grâce auxquels tout utilisateur peut se familiariser avec la technologie et la tester en personne. La technologie est appliquée avec succès depuis 1995. En Russie et dans d'autres pays, il y a plus de 100 000 moteurs améliorés par des bobineurs sous licence. Cela signifie que les bobineurs professionnels qui s'occupent de la maintenance des moteurs asynchrones existants ont été formés. À ce jour, la société compte environ 100 bobineurs sous licence. Et ils ont mis à niveau les moteurs classiques à l'aide d'un bobinage combiné. Ces moteurs fonctionnent depuis longtemps, montrent l'efficacité et ravissent leurs utilisateurs. Maintenant, je vous offre des exemples de mise en œuvre de la technologie dans les véhicules. Par exemple, la voiture Renault Twizy, dont la portée a augmenté de plus de 20%. Le scooter électrique Irbis Grey a reçu de nouvelles caractéristiques dynamiques. Sa vitesse maximale est passée à 70 km/h. En même temps, le moment de départ a permis de remorquer une voiture Niva pesant environ 1,5 tonne. Des solutions ont également été développées pour les applications dans les véhicules électriques urbains et privés. Maintenant, vous voyez la locomotive électrique de mine ERA qui a également été modernisée sur la technologie des bobinages combinés. Après la mise à niveau, elle a été capable de tirer 11 chariots avec du charbon. Le moteur standard ne permettra de tirer que 5 chariots. Et lors du transport de 100 tonnes de charbon, le moteur ne surchauffe pas, malgré la double charge. En 2020, un moteur de traction asynchrone de la série DAT-100L6 a été développé, conçu pour fonctionner sous le contrôle d'un convertisseur de fréquence dans le cadre d'un entraînement électrique d'un camion de fret ou d'un autre véhicule électrique. Les principales caractéristiques sont présentées sur la diapositive. En 2015, pour la première fois au monde, le développement réussi d'une roue moteur basée sur un moteur asynchrone a été présenté. Elle présente des avantages par rapport à ses concurrents, les moteurs à aimant permanent. C'est la disponibilité des matériaux chez les fournisseurs de matières premières russes. L'indépendance par rapport aux autres pays, car il n'y a pas d'aimant permanent dans la conception. Ainsi que les caractéristiques de conduite. Les moteurs sont assez fiables, pas peur de l'humidité, la poussière ferromagnétique, etc. À ce jour, la technologie est activement promue en Chine, a reçu de subventions et notre partenaire Victor Aristov d'ASPP Weihai Technology a lancé la production à petite échelle d'un certain nombre de moteurs répertoriés sur l'écran. Les moteurs sont fournis aux clients dans le cadre de kits avec le contrôleur. ASPP Weihai Technology a également lancé la production en série de motos électriques Liberty avec le moteur DA95S.
La société développe et fabrique également des composants de moteurs électriques. Ainsi, en 2021, sa propre conception de codeur a été développée en tenant compte des inconvénients des analogues sur le marché, à savoir la fiabilité. En outre, une installation a été développée et mise en service pour la fabrication de composants de base jusqu'à 40 000 produits par mois. Des contrôleurs ont également été développés pour contrôler les entraînements de traction. Notons l'impact de la technologie sur l'écologie. L'introduction massive de moteurs avec la technologie Slavyanka réduira considérablement la consommation d'électricité, ainsi que la nécessité d'une exploitation minière. Lors de la production de moteurs avec bobinage combiné, lors du retraitement des moteurs existants classiques, à partir de 3 moteurs classiques, vous pouvez obtenir 4 moteurs avec Slavyanka. Dans certains cas, à partir de 3 moteurs, il sera possible de fabriquer 7 à 8 moteurs. Et si nous parlons de moteurs industriels généraux, les normes environnementales IE 1, 2, 3, 4 ont été introduites. En règle générale, les moteurs économes en énergie sont plus grands que les moteurs moins puissants. Et les spécialistes de Sovelmash peuvent fabriquer des moteurs avec une plus grande efficacité énergétique dans les boîtiers et les dimensions des moteurs IE 1 et 2. Ces variantes de moteurs ont déjà été développées et produites. Notez les avantages pour les entreprises qui travaillent avec cette technologie. Tout d'abord, ce sont les caractéristiques de performance des moteurs dans les produits finaux. Ensuite, en réduisant les dimensions des moteurs économes en énergie et en l'absence de systèmes de refroidissement complexes, les coûts de production de ces moteurs sont considérablement réduits. Comme il n'est pas nécessaire d'installer de nouvelles lignes de production, il est possible d'adapter celles qui existent déjà chez les fabricants de moteurs. De plus, ceux qui utilisent le moteur dans le produit final n'ont pas besoin de le redessiner, car des restrictions environnementales ont déjà été introduites ou prévues en Europe, en Chine et en Fédération de Russie. Les fabricants ne pourront pas commercialiser des produits si le moteur ne correspond pas à une certaine classe d'efficacité énergétique. Ainsi, puisque les dimensions du moteur ne changent pas et que la classe d'efficacité énergétique augmente, le fabricant peut conserver la conception de son produit et éviter des coûts supplémentaires pour le développement. Donc, c'est la chose la plus fondamentale que je voulais dire. En conclusion, je noterai que Sovelmash crée une production qui ne dépendra pas des approvisionnements extérieurs, des équipements technologiques étrangers. La société est en mesure d'accomplir la tâche de substitution des importations, mettant sur le marché des produits nationaux supérieurs aux caractéristiques des concurrents. Merci.